Bezout Morgan, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui. Le Nishmat Avram Mordechai Ben Yisraël Befani Dvora Bat Esther et Adel Bat Sol Tarab Lebet Vanish et Charlie Shalom Benjamin Sarah. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions ma Sechet Yevamot, Parikyot Bet Mishnah. Hey. Chalta Bishnaim O Bishlosha Benim Tsaïchal Menkoro Pasoul Chalitza Tapsoula. Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Asanlav Machshirin au Maase Bechad Shchalatz Beno Levena le Bet Bevet Asuri ou Ba Maase Lifnei Rabbi Akiva Vehirshir. Dans la Mishnah, dans la parasha de la Chalitza, il y a marqué Valta Yevimto Asha'ara, elle devra monter au Sha'ar, c'est-à-dire au Bet Din, et dire devant les Zkenim, il fallait trois juges, comme ça on a fait dans la prochaine première Mishnah, même d'en rajouter deux supplémentaires. La Mishnah nous dit maintenant, a posteriori, est-ce que c'est invalide? Vous vous rappelez dans la Mishnah 2 en arrière, la Mishnah Gimel, on avait appris là-bas toutes sortes d'une règle, quand il y a marqué dans la Torah, qui nous dit « Kacha yaseh la'ish asher lo yivneh batariv » comme ça il faudra faire, comme ça et pas autrement, donc c'est invalide. Malgré tout, on avait appris qu'il fallait « Kacha yaseh » comme ça il faudra faire la'ish pour l'homme, mais les choses qui ne sont pas les actions qu'on réalise sur l'homme, ça n'invalide pas. D'où la question maintenant, elle n'est pas partie devant deux juges, elle est juste même... Alors, ça va se passer en deux temps dans la Mishnah, mais il n'y a pas trois avis, il y a juste deux avis. Et il y a un avis qui va penser que ça invalide les juges, et un avis qui va penser que les juges n'invalident pas, tout simplement. Et ce que la Mishnah me dit, Khalsa Bishnaim, elle a fait la Khalsa devant juste deux juges, pas trois. Ou Bishlosha, ou bien elle a fait devant trois juges, mais que, ensuite, Venimsa et Khalmen Karov Pasoul, mais après coup, une fois qu'on a fini le... la Khalitza, on réalise qu'en fait, il y avait un des trois juges qui était invalidé pour juger, soit parce qu'il était Karov, soit parce qu'il était Pasoul. En fait, il était en train de tourner, il était déjà devenu un mauvais juif, ou bien, tout simplement, il était Karov. Ils n'avaient pas fait attention que c'était sa cousine du premier degré, là, mais il y avait mort. D'accord? Alors, la Mishnah m'enseigne que Khalitza Tapsoula, la Khalitza est invalidée. Elle est comme ça. C'est comme ça que la Khalitza qu'elle avait, elle n'est pas bonne. Cependant, il faut savoir qu'il y a une marchouquette sur ça. Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Asanela, Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Asanela, ils pensent que Marchirin, il valide la Khalitza a posteriori, comme ce qu'on avait appris selon les principes de la Mishnah, de la Mishnah qu'on avait dit sur Kachaya Selaïch, que c'est juste les actions, l'action que la femme fait sur l'homme que ça invalide, à savoir le fait de retirer la chaussure. Mais tout le reste n'invalide pas. D'accord? Et d'ailleurs, la Mishnah continue à me raconter, Umaase Bechad Shechalatz Beno Leven, Levena Lebet Asun. D'ailleurs, il y a eu une histoire avec une personne qui avait fait la Khalitza, juste ils ont, entre lui et elle, il n'y avait personne d'autre devant eux, Bevet Asurim, quand ils étaient en prison tous les deux. J'imagine qu'en fait, ils ont peur qu'ils se retrouvent tout seuls, qu'ils allaient savoir s'il va être déporté, s'il va être truc, elle va se retrouver bloquée, c'était une grande histoire d'ailleurs. Des femmes qui attendent que leur mari revienne parce qu'il a disparu de la civilisation. Et il y a aussi des femmes qui attendent que ce soit son beau-frère qui revienne, parce qu'en fait, elle sait qu'elle a un beau-frère, c'est fréquent, il y a des histoires comme ça, après la Shoah, ou quand il y a eu la Russie communiste avec des Russes qui se sont retrouvés en Israël, mais que son frère était resté bloqué chez les bolcheviks là-bas. Et après, ils se sont retrouvés maintenant, quand il est mort, il savait qu'à l'époque, il y a 40 ans en arrière, il se souvient qu'il avait un frère en Russie, qui est resté enfermé là-bas, comme on fait, d'accord? C'est compliqué, quoi. En général, ils se débrouillaient les rabbanim pour donner vite un guet avant qu'ils décèdent. Comme ça, au moins, ils ne se retrouvent pas. C'est arrivé, il y avait des histoires comme ça. En tout cas, on revient maintenant sur le vide de notre sujet. Donc, maintenant, il nous raconte que Maaseh Bechad Shechalatz Beno Lebena Lebet Asurim, Bevet Asurim, il y avait une fois où quelqu'un qui a fait juste lui et elle qui est enfermé dans une cellule en prison. Et la situation s'est présentée devant Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva a validé. En fait, on parle qu'ils n'étaient pas juste tout seuls dans la cellule. C'est-à-dire qu'ils étaient seuls dans la cellule, mais il y avait deux personnes de l'extérieur qui le voyaient, parce qu'il faut nécessairement, c'est une grande règle. Pour nous, tout ce qu'on fait, Endavar Shebaerva, par contre, Mishnaim, tout ce qu'on fait, Bedavar Shebaerva, marier une femme, divorcer une femme, faire la Khalitza, il faut nécessairement deux témoins qui voient. S'il n'y a pas deux témoins qui voient, ça ne marche pas. C'est-à-dire, dans la Khoupa, dans la Kiddushin, on nomme deux témoins. Parce que s'il n'y a pas deux témoins, ça ne marche pas. Quelqu'un qui va prendre une femme devant personne, il va lui dire « Arrête mes coups d'achat, il lui donne une bague, elle n'est pas mariée parce qu'il n'y a pas de témoins. » Il faut nécessairement qu'il y ait deux témoins qui voient la scène. Ok? Selon ce principe, maintenant, en fait, ils étaient tous les deux dans la cellule. Mais il y avait des gens à l'extérieur qui les voyaient.
Donc, comme ça, maintenant, parce que sinon, si on n'a aucune preuve pour prouver que ça a été réalisé, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et alors, la Mishnah, elle me dit justement, c'est pour ça que Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il a validé parce qu'il pense comme Rabbi Shimon et Rabbi Yohanan Asanlar, qui pense que, a posteriori, y a pas, si, même s'il n'y a pas eu les juges, ça, la Khalitza, elle est quand même validée, si toutefois, il y a bien sûr deux témoins qui sont capables de témoigner. Ok? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.